Nous allons vous présenter Nowhere Girl, écrit par Magali Le Huche et édité par Dargo. C'est une autobiographie dans laquelle elle parle de sa rentrée en 6e. Au début, tout se passe bien, mais au fur et à mesure, jour après jour, elle a de moins en moins envie de retourner au collège. Levez-vous et récitez-moi votre cahier de grammaire. Je le connaissais par cœur. Le pronom possessif varie selon le genre et le nombre de ce qu'il remplace. Exemple, le livre de Jacques. Ah non, le livre de Pierre, pas de Jacques! Très bien, vous me recopierez votre cahier 3 fois. Ça va vous rentrer dans le crâne. Et je vous mets une jolie petite bulle. 0/20! Ça vous servira de leçon pour tous les autres. Pardon. C'est une phobie scolaire. Elle développe une phobie scolaire. Sa très grande peur de l'école l'empêche d'y retourner. Et elle prend des cours à la maison. Sa passion des Beatles l'aide durant cette période. Let it be, let it be, let it be. Je me suis mise à écrire quotidiennement aux radios. J'étais persuadée que moi seule connaissais aussi bien les Beatles et qu'il fallait que j'informe les journalistes. Cher Europe 2, je m'appelle Magali, j'ai 12 ans et je veux vous dire que les jeunes Beatles et aussi qu'ils sont toujours beaucoup écoutés par les jeunes parce que leur musique est inégalable. Beaucoup les copient mais aucune musique n'est aussi belle. Passez plus les Beatles, Magali Le Huche. En cachette de mes parents. Bonjour Skyrock, les Beatles sont encore plus modernes que toutes les musiques modernes. C'est simple, ils ont tout inventé. Passez plus les Beatles, n'oubliez pas les Beatles. J'écrivais aussi beaucoup de cartes postales aux Beatles eux-mêmes, comme des bouteilles à la mer. Bonjour les Beatles, j'écris sachant que vous n'irez sûrement jamais cette carte, mais vu que je vous aime vraiment beaucoup, j'écris quand même. Je m'appelle Magali Le Huche. Je leur écrivais sur des cartes postales les représentants, sans penser que ça n'était pas le plus pertinent pour moi. Si quelqu'un osait sous-estimer les Beatles se réveiller chez moi alors, un sentiment d'injustice sans mesure. Alors moi j'ai toujours préféré les Stones. Les Beatles sont les maîtres du monde! Les Beatles sont les maîtres du monde! Très intéressant de découvrir un groupe de chanteurs très connus. C'est intéressant de savoir comment la dessinatrice est devenue illustratrice. C'est un sujet qui touche de plus en plus d'enfants, d'adolescents dans le monde. Magali est une personne attachante, rigolote. C'est une belle idée, j'ai aimé les illustrations. Non.